Je suis dans les vestiaires de ma salle de sport, donc je m'habille là pour aller m'entraîner. Donc je me suis inscrit ici il y a une semaine parce que c'était assez proche de chez moi et puis aussi parce que je m'étais blessé au foot et du coup je voulais pas rester inactif, je pouvais plus courir. Je me suis dit je vais aller en salle de sport et puis il y aura de quoi travailler plus le haut du corps. Et cette salle de sport coûte un peu plus cher que la moyenne. Tiens, on va voir si ça marche là. Waouh! Et j'ai hésité parce que, au mois c'est 60 euros et à l'année c'est 49 euros par mois. Ce qui m'a fait décider en partie, c'est le fait qu'il y ait un coach. Et donc, hier, le coach super sympa m'a fait un programme, du coup il m'a testé, m'a fait un programme et il m'a conseillé sur la nutrition et ça fait toute la différence d'être conseillé, d'être accompagné, de savoir que je dois lui rendre des comptes dans 6 semaines à la fin du programme, ça c'est génial. Et en fait, cette salle de sport est très high-tech, il y a des machines en fait. Il m'a fait un programme sur l'ordinateur et moi je dois badger pour faire simple, hein. Donc il y a quatre programmes différents, donc je dois badger et faire les exercices dans l'ordre et donc suivre le truc en mode robot, j'y réfléchis plus. Et dans la vie, quand il y a des choses qu'on aime moyennement faire, je pense que c'est très important d'arriver à mettre en place un système un peu qui nous force à faire des choses. Moi, par exemple, le mariage m'a beaucoup forcé à manger à des heures régulières, okay, de me coucher à des heures régulières, de me réveiller à des heures régulières, chose que je faisais pas trop quand j'étais célibataire. C'était un peu le bronx, c'était très freestyle. Ah oui, je sors de chez le coiffeur. Et voilà, la petite réflexion que j'aimerais vous amener à partir de ça, c'est qu'est-ce qui dans votre vie est compliqué? Mais vous savez qu'il faut le faire, et donc comment vous pouvez vous forcer, mettre en place une structure, un contexte qui va vous forcer à faire les choses. J'ai un autre exemple là, pour la compta, c'est grave galère. Et donc je fais appel à une entreprise qui m'alloue une personne qui vient à mon bureau 2 à 5 heures par semaine pour m'aider à faire le bilan de 2017. Je sais, je suis en retard. Et ça, en fait, ça me force à des heures régulières de savoir qu'il y a quelqu'un et du coup d'avoir une certaine pression. Parce que quand on n'a pas la pression et qu'on est trop libre et qu'on est à son compte, c'est très 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 compliqué. Juste pour vous montrer un exemple de pourquoi je kiffe cette salle, c'est que tout est électronique. On est dans le futur. Puis je vais vous emmener voir quelques machines. Alors, je suis devant la machine, on va voir comment ça marche. C'est la première fois que je l'utilise. Faut que je badge ici. Et du coup, là, il va me trouver, c'est moi. Et il va me mettre ce que je dois faire aujourd'hui, haut du corps. Et les machines, elles sont top. Donc, je vais commencer par ça. Ça, c'est quoi? De l'elliptique. 15 minutes, niveau 5. Et en fait, il va tout me configurer. Je vais y aller en mode robot. Détail pas négligeable, ils fournissent la serviette parce qu'il n'y a rien de plus galère que de ramener sa serviette. Donc, si vous ne connaissez pas l'elliptique, c'est ça. Aujourd'hui, je suis parfaitement dans la salle. Donc, c'est trop cool, je peux faire ma vidéo. C'était pas prévu. Alors, j'arrive ici, je fais quoi? Je fais ça, j'imagine. Pareil. Et alors là, c'est ouf parce que. Donc. Fais là, ok. Ok, je démarre, commencer l'entraînement. Démarrage. Il y a même des vidéos qui te montrent comment utiliser la machine. Et ça marche comment là? Du coup, voilà, il m'a mis que j'ai 15 minutes à faire. Et en fait, comme vous pouvez déjà le voir, on peut se connecter à YouTube. Il faut brancher les écouteurs que j'ai pas parce que j'utilise des écouteurs sans fil. Et du coup, c'est connecté à ma chaîne. Bref, c'est un truc de malade. Quoi d'autre? La télé marche pas ici. Et je peux lire des articles Facebook, etc. Bon, je vais faire un peu de sport là. Prochain exercice, les pectoraux.
Je voulais vous faire part aussi de pourquoi je me suis décidé maintenant aussi. Quoi, parce que la blessure au foot m'a poussé à passer à l'action tout de suite. Mais pourquoi toutes ces années-là, j'ai eu du mal? Donc déjà, je m'étais déjà inscrit à des salles de sport. Hein. Ça n'avait pas marché parce qu'il n'y avait pas de coach. C'était un peu loin. Et puis bon, c'était pas très cher. Donc la flemme aussi. Alors que là, c'est quand même plus cher. Et du coup, j'ai envie de rentabiliser. Mais aussi, ces derniers temps, je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui montent, qui font du sport. J'ai notamment demandé à l'un de mes mentors, Cliff Ravenscraft, c'est pour lui, il estimait que le sport c'était indispensable. Et j'ai vu aussi les progrès, et donc ça m'a vraiment motivé. J'ai aussi mon client qui m'a dit que pour lui, le sport c'était indispensable pour réussir dans l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, l'argument qu'on a quand on est à son compte, c'est que faut passer du temps dans son boulot. Ce qui est vrai, parce que nos résultats sont proportionnels au temps et à l'énergie qu'on y dédie. Le truc, c'est que quand on n'est pas en forme, quand on n'est pas en bonne santé, quand on est malade, quand on n'a pas d'énergie, quand on n'est pas motivé, ça nuit à notre business. Et le sport est fait pour pallier à ça, notamment. Et autre chose, c'est que j'ai envie de perdre du poids parce que je ne veux pas accepter d'être en surpoids. Voilà, je suis à 83 kilos, je veux vraiment aller à 73 kilos. Et le but, c'est de perdre 10 kilos. Le coach m'a dit que si je faisais attention à ce que je mangeais, que je faisais bien du sport, je suivais mon programme, en 6 mois, je pourrais les perdre. Donc voilà, on verra. Je vous tiendrai au courant à l'occasion de mon avancement. Et je vais me mettre au boulot maintenant. Alors, autre réflexion. C'est que je compte faire de plus en plus de vidéos YouTube, mais de qualité. Je veux vraiment améliorer la qualité des vidéos parce que c'est ça qui marche. Parce que tout le monde le fait, tout le monde commence à le faire. Et en disant ça, je ne veux pas que vous découragez surtout, en vous disant c'est trop tard pour moi, c'est pas trop tard du tout. Mais voilà, en tout cas, moi je suis à un niveau où il faut que je monte, quoi. Et pour ça, l'apparence joue beaucoup. Okay, c'est triste ou pas, mais c'est comme ça. Je pense à Gary Vaynerchuk qui est plus beau gosse à 40 ans qu'à 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il a perdu du poids, il a fait du sport entre temps. C'est cette voie que je veux suivre aussi parce que c'est pas juste être beau pour être beau, c'est pas acheter des bijoux super chers, m'habiller avec des vêtements de luxe, c'est pas ça, c'est que tout simplement si c'est bon pour ma santé et bon pour mon business, tant mieux. Et puis si ça peut inspirer, peut-être que vous êtes en surpoids, peut-être que vous voulez améliorer un aspect de votre vie et si ça vous encourage, tout le monde est gagnant. Donc c'est un de mes objectifs. Je voulais vous faire part aussi d'une pensée, c'était quand je faisais les machines avant, je faisais ça un peu tout seul et je pensais bien faire les gestes, mais en fait pas du tout. Vous voyez là il vous montre un peu les gestes, mais c'est très approximatif et le coach m'a vraiment corrigé. Et donc ça, parfois aussi dans le business, on croit que certaines choses on les fait bien, mais en réalité il manque un petit truc qui peut vraiment nous amener plus loin. Voilà, et je pense que j'ai quelques autres pensées à vous partager, mais je vais continuer encore. Et ok, deux autres réflexions. Pourquoi c'est important aussi de faire du sport quand on est entrepreneur? C'est aussi parce que on apprend à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Okay, c'est fatigant. Et en fait, la volonté, c'est un muscle. D'une certaine façon. Donc si j'apprends par exemple à me surpasser, à respecter mon programme, à être discipliné, à venir les jours où je dois venir, aux heures que j'ai définies, j'apprends une discipline qui va me servir dans mon business. Okay, on ne peut pas réussir dans le business si on n'est pas discipliné, si on n'est pas capable de se dire « Allez, je n'ai pas envie de faire ça, mais il faut que je le fasse » et on le fait. Et ça, c'est très très important. Autre chose aussi qui va me faire du bien, c'est que comme je ne prends plus de trajet actuellement, je ne fais plus de trajet dans les transports, j'écoute des livres audio, j'écoute des podcasts. Parce que entre chez moi et mon bureau, il n'y a que 3 minutes et ça m'avait manqué. Parce que c'est une façon pour moi de m'instruire, de m'éduquer. Je vous recommande tous d'écouter des livres audio, des podcasts, c'est très très important.
Bah tiens, je vais vous mettre un lien sur Audible, un lien de parrainage qui va vous apporter, vous permettre d'avoir un mois gratuit, et moi aussi, je crois. Et voilà, écouter des livres audio, s'instruire, et ça, c'est très riche. Sur le chemin, bah, je peux marcher un peu, me détendre. Bon, très franchement aussi, je regarde des séries Netflix pendant que je suis sur la machine. Hein. Mais ça fait du bien aussi de me sortir du. Du coup, j'ai même, c'est même plus métro boulot dodo, c'est boulot dodo quoi. Voilà, bon. Allez, j'y retourne. C'est terminé, je tremble un petit peu là. Cette étape, il faut maintenant que je sois régulier et que je ne fréquemment. Donc ma fréquence, c'est 4 fois par semaine. Ta dernière pensée, j'ai lu dans un livre, je m'en souviens plus du titre, qu'une habitude s'acquiert beaucoup plus facilement quand la fréquence est élevée. Okay? Si c'est beaucoup plus difficile de se dire je fais du sport une fois par semaine, que de se dire que de faire du sport 7 jours par semaine. Parce que quand on le fait tous les jours, eh ben, on acquiert l'habitude, ça devient naturel, c'est comme manger. Okay? Mais si c'est une habitude qu'on essaie d'acquérir, qu'on doit faire ça une fois tous les mois, une fois par semaine, c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est ça qui m'a poussé à avoir un rythme plutôt intense. Hein. Je sais que d'autres font plus de 4 fois par semaine. Allez, je me change, je rentre me doucher, je vais au bureau. J'ai beaucoup de choses à faire, il y a des travaux en ce moment et bref, je vais essayer de faire comme je peux. Et puis mon programme de la journée, j'accueille une cliente pour le podcasting et après je bosse pour mon client en freelance je suis en train de sortir une formation. Donc voilà, si ça vous intéresse, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube et à ma newsletter, je vous mets tous les liens en dessous. Ciao.